à toutes les gens, c'est Rétro, j'espère que vous allez faire ma patate, la banane, parce que moi, les gens, ça va super aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Calme Clan, les gens. Et avant d'attaquer directement avec le gameplay, je souhaiterais vous préciser que cette vidéo va être envoyée à CodeFR et à CodeQG en espérant qu'ils nous upload. Gros big up à vous, les gens, si vous prenez le temps de nous upload. Avant d'attaquer directement avec le sujet, je souhaiterais préciser que le gameplay est une magnifique nucléaire sur Call of Duty Black Ops 3 à la Manowar camouflage... Pixel réalisé par notre ami Calme KZX. En tout cas, bien joué à toi, poteau. Et oui, les gens, vous avez bien entendu. Est-ce le début d'une nouvelle ère sur Call of Duty? Tout de suite, maintenant. Et oui, je vais m'exprimer facilement. Pensez-vous que c'est le début d'une nouvelle ère de Call of Duty? Car vous savez, à part si vous habitez dans une grotte, que le système de jetpack ou de saut aérien a été ajouté dans les derniers opus de Call of Duty, et à mon avis les grands joueurs, les joueurs qui étaient habitués à tout ce qui est Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, à votre avis, est-ce qu'ils vont migrer en quelque sorte vers d'autres FPS tels que Battlefield 1 ou d'autres jeux comme ça? Voilà, moi je pense que ça va se faire, à mon avis, même s'il y a peut-être des gens qui vont quand même le tester avant de se forger leur propre avis sur le jeu. Même si Call of Duty 4 va être proposé en version bonus, comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de ventes et ça va être plutôt un flop, si on peut dire ça comme ça. Niveau vente, ça peut être un flop. Mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de réagir dans les commentaires et de dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que maintenant, avec les armes futuristes, il risque de pas y avoir beaucoup de gens qui vont accrocher sur ce jeu, même à part pour les noobs, entre parenthèses, qui rejoignent le jeu. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je joue à Call of Duty et ça me dérange pas, honnêtement, qu'il y ait des armes à laser, tout ça, même si le jetpack reste un petit peu une contrainte pour les gens qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter une manette à palette. Ça peut être une contrainte pour les gens qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de s'acheter ceci. Moi, je n'en ai pas de manette burn, je n'aurai jamais de manette burn parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça ne me servira plus. Et puis en plus c'est cher, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner et de laisser un gros like, un gros pouce bleu, et à t'abonner à toutes les chaînes communautaires que j'ai citées. Et sur ce, je te laisse, c'était Rétro. Peace.